Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un an, la France se confinait. Il y a un an, nos vies allaient changer. 12 mois plus tard, nous avons décidé, avec toutes les équipes du Lab Santé de Midi Libre, d'organiser un grand rendez-vous pour parler, évidemment, du Covid, évidemment, de cette maladie qui a impacté toutes nos vies, dans notre quotidien, dans notre santé. Pour cela, nous avons réuni un plateau assez exceptionnel. Merci, mesdames, merci, messieurs, d'avance. Pour discuter, évidemment, de ces 12 mois que l'on a qualifiés parfois de folles et les 12 prochains mois qui s'annoncent devant nous. Avec à mes côtés Sophie Guiraud, notre spécialiste santé pour Midi Libre, j'ai le plaisir de présenter les personnalités qui sont avec nous. Sophie, on commence avec Madame Miralles, je crois. Donc, Patricia Miralles, vous êtes députée de l'Hérault et vous défendez un projet de loi pour faire reconnaître le Covid long, cette maladie qui s'éternise et qui handicape certains des malades touchés. Pascal Delubac. Donc, Pascal Delubac, vous êtes président de la Fédération de l'hospitalisation privée d'Occitanie et vous êtes par ailleurs directeur du groupe Elsan sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales et également directeur de la clinique Saint-Pierre de Perpignan. Je pense ne pouvoir rien oublier dans vos différents titres. Pierre Ricordeau. Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie. Monsieur François Bérard. François Bérard, directeur général adjoint du CHU de Montpellier. Et le professeur Reine. Donc le professeur Reine, qu'on ne présente plus. Mais il faut le présenter quand même. qui est patron du service des maladies infectieuses du CHU de Montpellier, en première ligne tout au long de ce long épisode Covid. Alors la première question évidemment que j'aurais envie de poser, elle va s'adresser au patron de la santé en Occitanie. Pierre Ricordeau, merci. Je sais que vous avez un agenda très particulier, très resserré, surtout en ce moment avec l'actualité qui nous rattrape. Première question très simple. Que retenez-vous de cette année de Covid? Un petit bilan en formule resserrée du point de vue de la santé ici en Occitanie. Quel est le bilan que vous pouvez nous faire actuellement à date, 12 mois après? Alors, quand on revient sur cette année, c'est vraiment des sentiments mélangés hein, qui me reviennent. C'est vraiment une année exceptionnelle et je pense qu'on n'en mesure pas encore complètement, on n'en a pas encore la conscience, probablement une année historique par l'ampleur de la crise, pandémie mondiale qui a touché toute la population dans toutes ses dimensions économiques, sociales, sociétales, etc. Et si je reviens sur la gestion de la crise elle-même, de la partie sanitaire de la crise, moi ce que je retiens c'est à la fois une année, je dirais une année terrible, hein, et en même temps une année d'engagement, de force exceptionnelle. Une année terrible parce qu'évidemment ce qui vient en premier c'est le bilan humain qui est quand même très 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 mauvais avec évidemment des milliers, parfois des dizaines de milliers de malades par semaine avec certains qui font des formes graves, des séquelles, le Covid long, un grand nombre de décès, probablement 5000 dans la région Occitanie entre les décès à l'hôpital et les décès dans les établissements médico-sociaux qui ont eu vraiment un bilan terrible. C'est aussi une année, je dirais, de stress, de pression très forte sur le système de santé en totalité et aussi, bien sûr, sur la population. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans cette crise où nous avons dû faire face et nous ne savions pas si nous arriverions à faire face, d'ailleurs de manière différente, entre une première vague qui a été une vague dans laquelle nous ne connaissions pas encore bien ce virus. Mais nous savions qu'il allait arriver de manière très rapide, avec un très grand nombre rapidement d'hospitalisations en réanimation, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un véritable tsunami d'hospitalisation, avec le confinement, avec une déprogrammation totale des activités pour ouvrir des lits de réanimation.
une deuxième vague différente, parce que là, on connaissait mieux l'épidémie, on la mesurait très bien avec le dépistage, on savait mieux prendre en charge également les malades du Covid, et nous avons connu une marée montante plutôt qu'un tsunami qui a touché certes la réanimation, mais aussi le système ambulatoire, le système de l'hospitalisation conventionnelle. Donc des conditions très différentes, et une deuxième vague dont on n'est jamais complètement sorti aujourd'hui. Il y a toujours une pression très forte sur le système de santé. Peut-être que nous sommes à l'aube d'une troisième vague et nous partons de très haut. Et en même temps, c'est une année, je crois, d'une force exceptionnelle. Une force exceptionnelle, évidemment, d'abord l'engagement des soignants qui a été extraordinaire depuis le début, de manière continue, et qui est encore là. Et je crois qu'il faut, saluer véritablement ce travail des soignants qui a marqué. Hein. Et moi, j'ai beaucoup d'images en tête, par exemple, les pattes de Moguio au tout début de l'épidémie dans la région Occitanie. Mais au-delà des soignants, je crois que ce qui a été marquant, c'est le travail en commun des acteurs de santé, public, privé, ville, hôpital, médico-social, et je dirais de façon facile, et d'une certaine façon, ça a été assez aisé pour l'Agence régionale de santé, parce que il a suffi d'une certaine façon qu'elle accompagne, qu'elle facilite la mise en œuvre des solutions qui ont été imaginées par les acteurs de terrain dans les territoires ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très marquant et de très fort. Et au-delà d'ailleurs des acteurs de santé, le rectorat, la préfecture, les collectivités territoriales. Et si vous me laissez encore juste une minute, je trouve que derrière ça, il y a quelque chose qui s'est construit pendant cette période-là et qui va, je pense, être fructueux pour l'avenir, qui d'une certaine façon est une réponse à, moi j'ai encore en tête, avant le Covid, le grand débat national avec la santé, qui est sortie du grand débat alors qu'elle n'y était pas à l'ordre du jour. Hein. Et d'une certaine façon, il faut se rappeler, juste avant la crise du Covid, nous étions sur la crise de l'hôpital, les grèves, etc. Et d'une certaine façon, cette crise du Covid, elle a aussi permis de reconnaître l'importance de l'investissement dans la santé, non pas pour reconstruire à l'identique, mais pour transformer ce système de santé, en s'appuyant sur ce qu'on a construit aujourd'hui, une articulation ville-hôpital, médico-social, sur les territoires, autour du patient, avec une implication de l'usager. On a fait des choses intéressantes dans les EHPAD, dans la relation usager-établissement, je crois qu'ils sont intéressantes, et avec un investissement financier extraordinaire. Et le Ségur, quand même, cette année, après la première vague, en quelques semaines, la discussion du Ségur, qui, je crois, est porteur de quelque chose. Ça. Donc ces sentiments mêlés, finalement, moi, qui me reviennent sur cette année. Alors, on reviendra évidemment sur les leçons qu'il faut tirer du Covid et l'après-Covid, mais peut-être, M. Bérard et M. Reine, quelle est la situation actuelle au CHU de Montpellier? Est-ce que vous êtes toujours en grande tension? Est-ce que vous sentez cette troisième vague présente? Bien, bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors, si on parle à date aujourd'hui, dans les lits du CHU, hein, on a environ 70 patients hein, atteints de Covid, la moitié dans des lits de médecine et la moitié dans des lits de soins critiques, hein, de réanimation ou de soins intensifs. Donc la tension est forte, évidemment elle est forte. On est en train de se préparer aussi au regard d'annonces nationales dans un mouvement de solidarité pour envisager de réduire la pression dans d'autres régions qui se fait plus forte que celle que nous connaissons aujourd'hui en Occitanie, ou en tout cas particulièrement sur Montpellier. Donc la tension, elle est forte, mais elle est surtout forte sur le reste de l'activité. Je pense qu'il faut qu'on ait bien en tête que l'activité de réanimation, parce que ça a été une crise, on a découvert aussi un peu ce que c'était la réanimation et l'importance de ces activités. L'activité au CHU de Montpellier, c'est en gros 90 à 95% de taux d'occupation de nos lits de réanimation avant l'année dernière. Aujourd'hui, il y a 30% de nos lits de réanimation qui sont consacrés à la prise en charge de patients Covid, ce qui sous-entend d'une manière générale, ou plus particulière, de se dire que où sont passés les autres malades? Comment organise-t-on la prise en charge des autres malades? Parce que l'incidence d'autres maladies n'a pas baissé significativement. Alors on l'a vu lors de la première vague, il y a eu avec le confinement une espèce d'effondrement complet de l'activité, qu'elle ait été opératoire ou voire sur cette activité de traumatologie, par exemple, puisque plus personne ne circulait, ça paraît, il faut quand même s'en souvenir, on a eu des baisses assez surprenantes sur certaines pathologies, que nous n'avons plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le confinement n'étant pas aussi important, fait que l'activité dans la société reste relativement importante
et que la prise en charge des patients non Covid est aujourd'hui une problématique aiguë sur laquelle nous sommes en ligne de crête constante et nos équipes jouent de la place qu'ils ont pour la prise en charge de ces patients. Professeur Rennes, on l'a dit, vous êtes le patron de l'infectiologie au CHU. Comment vous avez vécu ce phénomène? Vous saviez qu'il allait arriver un virus, on ne savait pas quand. Comment le CHU s'est organisé et comment vous voyez ce virus évoluer, muter et aujourd'hui avoir une pression sur l'AREA et sur l'hôpital en général? Alors, bon, je dirais d'abord que les infectiologues n'ont pas trop été étonnés, hein, en définitive. On avait quand même eu le SRAS, on avait eu quand même la problématique de la grippe aviaire. Il y avait beaucoup d'arguments pour penser qu'un jour ou l'autre, on serait confronté à d'autres épidémies. Alors, ça met aussi en évidence l'évolution très rapide. Et en corollaire de cette évolution épidémiologique, de connaissances, de prise en charge, il y a eu la problématique de l'adaptation. Et là, manifestement, ça a été quelque chose de très très fort, et peut-être que la population ne le perçoit pas, ça, l'adaptation des structures, des personnels. Donc on sait qu'il y a eu un engagement très fort, mais on est toujours dans cette adaptation permanente, et c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi des ordres nationaux qui viennent, qui parfois posent un peu questions, des évolutions rapides auxquelles il faut répondre. Et donc ça, je crois que c'est vraiment un défi médical, un défi organisationnel, un défi sanitaire. Et ça, je crois qu'il faudra surtout en tirer les leçons pour la suite. On était dans un déficit capacitaire, hein, malheureusement, et donc on le ressent maintenant tant en termes de locaux qu'en termes de personnel. Donc il y a un problème de mobilisation. Et moi, je pense que ce qui s'est passé au niveau de la région et au niveau de la métropole de Montpellier est assez exemplaire en termes d'adaptation. Et je crois qu'on est tous ici témoins de cette adaptation qui a été majeure. Pascal Delubac, justement, la collaboration exemplaire public-privé qui est souvent citée en Occitanie comme exemplaire, vous l'avez vécu en première ligne. Est-ce que ce n'est pas un mythe? Enfin, c'est une réalité. Non, bonjour, pas du tout. On a travaillé effectivement dans des cellules hémi-régionales, hein, qui avaient été d'ailleurs, qui avaient reçu une lettre de mission de M. Ricordeau, puisque c'était une cellule Est et Ouest, dans un premier temps, parce que la région est quand même très grande. Pas l'oublier, je dis toujours qu'on est en Irlande, hein, c'est 74 000 à peu près kilomètres carrés de mémoire. Et donc la problématique était d'abord une problématique de réanimation, de structurer les réanimations, comme l'a expliqué François Bérard, c'est-à-dire qu'il fallait faire face à une montée en charge des patients dits Covid+, lors de la première vague et même de la deuxième, et aujourd'hui, tout en ayant des taux d'occupation élevés dans les réanimations pour des patients non-Covid. Donc la problématique aujourd'hui, c'est aussi de piloter la prise en charge des non-Covid et des Covid, il ne faut pas oublier les non-Covid, et aussi de préserver la ressource humaine, parce que au bout d'un an, et ça a été souligné, que ce soit les médecins réanimateurs ou les médecins tout court ou le personnel affecté à ces secteurs qui sont, on le souligne peut-être pas assez, des secteurs durs en termes de prise en charge. Prendre des patients intubés, ventilés, HN4 en charge, c'est à la fois de la compétence, mais c'est aussi de la solidité d'un point de vue psychologique. Donc cette collaboration, elle a fonctionné de diverses façons. Il y a eu des stratégies qui consistaient à dire, si je prends le département que je connais bien, les Pyrénées-Orientales, lors de la première vague, de dire ben, l'hôpital prend tous les patients Covid, on fait un cluster et on isole les patients à l'hôpital. Et à contrario, les cliniques privées prenaient les non-Covid ou avaient des chirurgiens du secteur public qui sont venus opérer sur les cliniques. Et après, il y avait une autre méthode qui était sur la Haute-Garonne, qui est bien pourvue en lit de réa, que ce soit dans le secteur public avec le Grand CHU et des grosses cliniques privées, où là, il y avait des accords pour dire, eh bien, on répartit les patients entre les structures publiques et les structures privées,
qui était aussi de façon d'atténuer le choc différente. Patricia Mirales, vous êtes, on le rappelle, députée de la première circonscription de l'Hérault. Vous avez été particulièrement en première ligne puisque vous avez eu le Covid et vous avez été hospitalisée et vous avez vu de très près justement les personnels soignants. Que retenez-vous comme image de cette hospitalisation qui forcément a dû être un choc psychologique, mais surtout le regard que vous avez vis-à-vis des personnes qui vous ont accompagné pour sortir de cette maladie, encore que. Le regard, c'est un très grand respect. Respect parce que quand vous êtes dans cette situation, vous avez un personnel qui ne réfléchit pas. Il vient, il rentre toutes les 3 heures, hein, c'est un rythme de 3 heures. Ils prennent le risque aussi de se faire contaminer. Et à aucun moment on ressent leur angoisse. Ils rentrent, ils sont plutôt souriants, ils sont accueillants, ils sont rassurants. Et je crois que quand on en sort, j'ai failli mourir. Donc c'est vraiment un moment particulier. Vous êtes seul, vous ne voyez pas votre famille, vous ne voyez pas vos enfants, vous pouvez rien dire. Et ce personnel est là, vous accompagne et continue à vous faire vous sentir bien malgré les douleurs. Et ça, je crois que vraiment, il faut que tout le monde soit conscient, parce que j'entends beaucoup de choses. Mais je suis un peu en colère, parce que je sais, et pour avoir vécu malheureusement, il n'y a pas très longtemps aussi, mon papa a été gravement malade, et je mesure tous les efforts, la méthodologie, tout ce que vous avez mis en place depuis un an, et comme on arrive mieux à soigner aujourd'hui. Moi, quand c'était au début, hein, c'était mi-mars. Bon, ben, on tâtonnait un peu sur les traitements. Donc, on nous a donné un peu, nous a maintenu en tous les cas pour avoir moins de douleurs. Et puis, la preuve, c'est que je suis là aujourd'hui. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les patients qui rentrent, même quand ils rentrent dans une phase qui est déjà bien avancée, ils sont mieux pris en compte. On connaît mieux le virus, on sait mieux le traiter. Et c'est ça aussi ce qu'il faut dire, c'est que j'aimerais qu'on arrête de râler et qu'on dise sincèrement un grand merci pour tous les efforts qui sont faits partout en France, parce que comme vous le disiez, c'est compliqué, il faut de l'organisation, et je trouve qu'on est à la hauteur de l'organisation et à la hauteur de ce que la France pouvait donner. Et justement, j'ai juste une question très précise. Est-ce que vous constatez, puisque vous êtes député, vous vous déplacez régulièrement à Paris dans l'hémicycle, quand vous discutez avec vos amis députés et que vous voyez dans les régions, est-ce que vous voyez qu'ici, particulièrement, on est un petit peu en avance? On l'a toujours dit, mais est-ce que quand on met la tête dehors, on s'aperçoit qu'on a un peu de chance, même beaucoup de chance, d'avoir une hospitalisation privée, une hospitalisation publique qui fonctionne très bien? Oui, on est un territoire un peu, on va dire, avantagé, parce qu'on a beaucoup de cliniques, on a un très gros CHU, et ils ont su travailler ensemble. C'est ça aussi le... Bon, quand vous êtes dans des territoires où il y a un désert médical, forcément, c'est compliqué. Et heureusement, d'ailleurs, que vous avez su accueillir hein, des personnes qui pouvaient pas être hospitalisées dans leur territoire. Oui, on a de la chance, et oui, ils le savent. Mais... il faudrait qu'on arrive aussi à dupliquer la même chose dans toutes les régions. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir le même choix de santé en France. On a parlé des hommes et des femmes qui sont dans les hôpitaux, qui les dirigent, et des organisations. Qu'est-ce qu'on va retenir, professeur Reine, cette question est peut-être plus dirigée vers vous, de la prise en charge? Que nous aura appris le Covid, et qu'est-ce qu'il continue à nous apprendre en termes de prise en charge des malades, de traitements, de nouveaux traitements, de leur mise au point, de la complexité? Qu'est-ce que vous en retenez? Il y a eu des avancées quand même majeures en peu de temps. Donc il y a eu les aspects thérapeutiques, les aspects préventifs avec la vaccination. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a une nécessité de structuration, d'adaptation, là aussi. Bon, j'ai eu certaines idées quand même hein, sur comment ça s'est passé, et on n'est pas toujours avec une option... Enfin, il y a des choses qui seraient perfectibles au niveau national. Hein. Je pense qu'on a quand même amené beaucoup d'éléments thérapeutiques, on a fait des propositions, on a avancé sur un certain nombre de points, et on a eu une réactivité forte par rapport effectivement aux options thérapeutiques. Donc effectivement, on a avancé au niveau thérapeutique.
On voit très bien qu'il y a une part aussi de biologie qui est très importante, hein, en termes de diagnostic, en termes de suivi. On voit qu'il y a la problématique des variants. On n'est pas sorti de l'affaire, hein, au sens où on voit très bien qu'il y a des nouveaux variants qui sortent et qu'on va avoir un problème d'adaptation, d'adaptation récemment vaccinale. Et donc c'est un engagement qui continue, qui est assez exaltant en termes de recherche et de performance au bénéfice des patients. Hein. On a la problématique très large en fait. Hein. Le Covid long, ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire de prendre en compte d'autres aspects. Hein. Nous, on a quand même eu avec l'infectiologie, donc les problématiques du Lyme, etc., de beaucoup d'affections qui laissent des traces. Et donc, après, il faut faire la part des choses, savoir comment on le prend en charge. Donc, c'est difficile. C'est quelque chose dans l'état actuel des choses, en 2021, il faut se rendre compte qu'on a des moyens potentiels très importants qu'on n'avait pas autrefois. Et donc la difficulté maintenant, c'est d'avoir les moyens de leur mise en œuvre, tant en termes de moyens financiers que de moyens de matériel et que de moyens humains, pour créer donc des pôles de compétences et d'expertise, justement pour gérer ces situations. J'aimerais aborder avec vous désormais deux points importants. Et donc ça s'adresse à l'ensemble de nos invités. Le premier point, c'est le point de la vaccination. Le deuxième point, c'est la pression sur vos établissements avec ce qu'on appelle les transferts. Pierre Ricordeau, un point sur la vaccination. Il y a eu beaucoup de bugs, Doctolib, je n'y reviendrai pas, des personnes qui nous appelaient, qui vous appelaient certainement, dans vos établissements. Je n'arrive pas à me connecter, je n'arrive pas à avoir de rendez-vous. On en est où aujourd'hui à date ? Oui, alors il faut d'abord se dire que c'est vraiment une chance, hein, d'avoir ces vaccins. On se repasse, je ne sais pas, même six mois en arrière. Je pense que il n'y aurait pas beaucoup de gens qui pensaient qu'on aurait autant de vaccins aussi efficaces, aussi rapidement. Et donc c'est vraiment cette chance d'abord qui marque la campagne vaccinale, parce qu'on sait que ça fonctionne. On le voit d'ores et déjà aujourd'hui sur les courbes d'incidence des personnes les plus âgées de plus de 75 ans qui commencent à évoluer différemment de celles des autres classes d'âge. On le voit sur les EHPAD dans lesquels le taux de contamination a fortement baissé dans les dernières semaines, puisqu'il y a une vaccination très importante. On a voulu vacciner dans une situation dans laquelle on n'a pas suffisamment de doses. Non pas, moi, je n'utilise pas le terme de pénurie qu'on entend parfois. Une pénurie, c'est quand il y a une production et que là, on est sur un démarrage. On est parti de rien et on est dans une phase de montée en puissance de la production. Donc, on n'a pas au départ la totalité des doses pour vacciner la population cible. Et la population cible, a priori, à ce jour, c'est toute la population adulte française. Donc, on essaye de faire au mieux ça. En faisant quoi ? En utilisant des critères sanitaires de priorisation, ça c'est l'efficacité de la vaccination, et puis en essayant d'aller le plus vite possible. Sur l'efficacité sanitaire, je pense qu'on a bien fait, on a bien marché dans ce pays. On le voit d'ailleurs quand on compare notamment les âges de vaccination entre la France et les autres pays. On s'était donné un premier objectif sur les EHPAD, on y est, on est dans la région à peu près à 86% de résidents d'EHPAD vaccinés, la quasi-totalité d'entre eux qui ont déjà eu les deux doses. Donc combien de personnes ? Ça représente combien de personnes ? 86% de l'ensemble ? C'est à peu près 60 000 résidents sur l'ensemble de la région Occitanie. Avec deux doses ? Avec deux doses quasiment. Enfin, on a presque terminé. Alors, il y a toujours de la vaccination parce qu'il y a des résidents qui avaient eu le Covid depuis moins de 3 mois qui ne pouvaient pas être vaccinés. Il y a des entrées. Donc c'est pas terminé. Donc, mais on est vraiment à des taux vraiment exceptionnels. La deuxième catégorie, c'était les personnes de plus de 75 ans. Donc, de manière générale, dans la population, y compris à domicile, là, on est à peu près à 40%, 41%. De cette population cible qui aujourd'hui est vaccinée. Et puis il y avait évidemment les personnels de santé qui ont été vaccinés assez largement, même si on voit qu'il y a eu, je dirais, dans les
dans les professions, je vais le dire, il y a une appétence à la vaccination plus ou moins forte, et c'est pas un phénomène nouveau, on le connaît à chaque campagne de vaccination. On a les malades à haut risque qui aussi ont démarré la vaccination dès le départ, et puis maintenant, depuis quelques semaines, les personnes de plus de 50 ans, entre 50 et 74 ans, avec comorbidité. Donc là, on est à peu près sur les personnes de 64 ans à 75 ans, on est à peu près à 12% déjà de la population vaccinée. Donc on voit quelque chose. L'Occitanie, hein. Oui, là je vous parle de l'Occitanie. On voit qu'on progresse. Le deuxième objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est malheureusement pas ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait aller beaucoup plus vite, mais le plus vite possible, c'est la disponibilité des doses. Et l'engagement qui a été pris et qui est tenu, c'est que toutes les doses disponibles sont utilisées. Et j'ai à ma gauche François Bérard, qui notamment dans son équipe à la pharmacie à usage intérieur du CHU de Montpellier, qui joue un rôle central dans la vaccination dans le département de l'Hérault. Et je crois qu'il pourra témoigner qu'elle est ultra sollicitée pour justement avoir ce stock le plus faible possible et utiliser toutes les doses disponibles. Après, vous savez que on a évidemment des difficultés, la difficulté d'AstraZeneca actuellement qui est suspendue, alors que on a connu un démarrage exceptionnel. Il y a eu 2-3 jours, je dirais, de montée en puissance. Il y avait des réticences aussi au début sur AstraZeneca, et donc il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite pour rappeler tout simplement que ce vaccin était aussi efficace que les autres. Et la vaccination par les médecins généralistes a vraiment démarré très fortement après quelques jours, et elle était très fortement montée en puissance. On a maintenant ces quelques jours de suspension. Moi, je suis persuadé qu'on va en sortir positivement. C'est aussi le fait qu'on a un système de pharmacovigilance qui fonctionne et qu'on est totalement transparent. Quand il y a des doutes à lever, on prend le temps de lever les doutes. J'espère qu'il sera levé le plus vite possible et qu'on pourra repartir sur cette dynamique, parce que ce vaccin est essentiel à l'accélération qu'on souhaite. On a devant nous un mois d'avril dans lequel on sait que la production, là, commence à monter fortement en puissance. Donc au mois d'avril, on devrait avoir sur les vaccins aujourd'hui autorisés des livraisons 2 fois à 3 fois supérieures à ce qu'on a connu dans les mois précédents. Donc on voit que cette montée en puissance de la vaccination, elle va vraiment prendre de l'ampleur dans les trois mois qui viennent. Et moi, je suis confiant sur notre capacité à vacciner d'abord la population vulnérable, les 14 millions de personnes en France qui étaient dans les catégories les plus vulnérables, puis au cours de l'été, la totalité de la population adulte. On sait qu'on a le 4e vaccin Janssen, on a d'autres CureVa qui va arriver. Et donc, c'est vrai qu'on l'a fait le plus vite possible. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des bugs. Je reconnais. Et surtout, c'est vrai que tout le monde n'a pas pu obtenir les rendez-vous alors qu'il y avait... Mais c'est quelque chose qui est en train de se résoudre dans le temps et avec la montée en puissance des livraisons. Peut-être une question d'ordre peut-être psychologique. Vous avez abordé le problème d'AstraZeneca. Il y a un petit coup d'arrêt, mise en sommeil. Est-ce que vous ne pensez pas que, je peux m'adresser peut-être à M. François Bérin, qu'il va y avoir peut-être une difficulté de réamorçage, parce que psychologiquement, c'est un coup d'arrêt, et forcément, ça met une petite bête dans la tête peut-être de certaines personnes, de se dire, bah, il y a toujours un doute. Est-ce que il n'y a pas eu un danger, entre guillemets, à vouloir desserrer et avoir ce principe de précaution qui finalement peut ralentir la vaccination? Je pense que la première chose, dans la lignée de ce que vient de dire M. Ricordo, il faut se féliciter de l'engouement pour la vaccination. Je pense qui n'a pas été total au début. Qui n'a pas été total au début, mais très rapide. Et y compris chez les personnels soignants. Et chez les personnels soignants, alors effectivement, il faut avoir, sur les personnels soignants, je pense qu'on peut avoir deux approches. Il y a le corps médical, qui depuis toujours a été très engagé dans la vaccination. Aujourd'hui, plus de 70% de nos médecins titulaires et les jeunes médecins, à l'exception des internes, sont vaccinés. L'encadrement, par exemple, est vacciné à plus de 50% aujourd'hui, ce qui est encore un tout petit peu inférieur dans des catégories sociales ou des catégories socioprofessionnelles, type les infirmières, les aides-soignantes, où là, on est sur des taux de 30%. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire et on le sait que c'était déjà le cas sur la grippe, où il y a un manque d'engouement pour la vaccination chez les personnels soignants. Ça fait des années que ça dure. Et là, comment on peut l'expliquer? Parce que j'ai un peu de mal à pouvoir expliquer. Je laisserai M. Rein qui l'expliquer. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a un vrai engouement. Et pour cette vaccination contre le Covid,
le bouche à oreille, les actions de communication qu'on a menées à l'intérieur de l'établissement, même si effectivement il y a eu un peu de résistance sur l'AstraZeneca, je peux vous assurer aujourd'hui que l'intégralité des doses qui ont été allouées au CHU Montpellier, 100% des doses ont été administrées aujourd'hui. On mettra en sommeil éventuellement ce qui s'est passé hier avec la suspension de l'AstraZeneca. Mais aujourd'hui, nos créneaux de réservation, et M. Ricordo le sait très bien, nous souhaitons continuer à poursuivre la vaccination de nos professionnels pour leur donner cette possibilité d'être protégés contre la vaccination, contre le virus, pardon. Ça, c'est assez essentiel. Donc, je pense que l'engouement, il est là, et on le voit. Aujourd'hui, c'est dans la vaccination population générale, nous avons un centre de vaccination grand public, comme d'autres l'ont. C'est plus de 1000 personnes qui, toutes les semaines, sont vaccinées. Alors, effectivement, ils ont plus ou moins de difficultés pour trouver un rendez-vous. Ça commence à se régler. Et hier, tout simplement, 350 doses supplémentaires la semaine prochaine, elles ont trouvé et on les a mis dans le créneau. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de résistance du tout à la vaccination. Il y a peut-être cette incertitude sur l'AstraZeneca, dont acte. On verra ce que dira l'agence européenne en fin de semaine. Mais sur nous n'avons pas aujourd'hui de réelle résistance sur cette vaccination. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça permet évidemment pour nous qui prenons en charge des patients tous les jours, Covid ou non Covid, de leur assurer que nos professionnels sont protégés. Sophie. Comment vont ces professionnels aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez, monsieur Delubac? Comment vont vos équipes de soignants? Est-ce qu'ils tiennent le choc? Est-ce qu'ils sont épuisés, comme on peut l'entendre? Est-ce qu'ils sont prêts à affronter potentiellement une troisième vague? Ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Après, la difficulté, c'est... si je vais prendre peut-être une image, c'est d'être efficace en étant déboussolé. C'est-à-dire que les données changent tellement vite tous les jours, les annonces sont tellement modifiées tous les jours, les situations évoluent terriblement tous les jours. On a eu, par exemple, un cluster dans le service de cancérologie avec à la fois des patients, il n'y a pas eu de conséquences graves, mais il y a eu des patients touchés et il y a eu du personnel touché. Donc pendant 4 jours, il a fallu mettre en off le service, s'organiser. Donc c'est très dur à gérer. On a eu à gérer effectivement cette crainte que vous évoquez, Madame la députée, c'est-à-dire qu'on vient soigner les gens, on est au service de la population, mais on s'expose parce qu'on fait partie de la population. Et juste un petit message, parce que je l'ai entendu dans une réunion sur la vaccination, où j'ai entendu dire que les soignants étaient porteurs du virus. J'ai arrêté de suite les gens en disant attention, ne transformez pas ceux qui prennent soin de vous en potentiel vecteur de cette maladie. Et surtout qu'il y avait un problème éthique dans notre réflexion. Il y a un aspect pragmatique, mais il y a un aspect éthique. C'est qu'au bout du compte, en France, on a soigné, on a vacciné les réanimateurs au-delà de 55 ans. Dans les autres pays d'Europe, ils ont été vaccinés, quel que soit leur âge. Et pourquoi on n'a pas, quel que soit leur âge, c'est des questions, je ne porte pas de jugement, c'est pas le lieu, c'est une question ouverte. Pourquoi on n'a pas vacciné tout le personnel qui travaille en réanimation, quel que soit son âge, qu'il ait ou non des comorbidités. Donc ce personnel a posé ce genre de questions. C'est-à-dire qu'au bout du compte, je vais dans un secteur de soins critiques et je n'ai peut-être pas tous les moyens pour être protégé. François Bérard. Au sein du CHU, quelle est la situation de qu'est-ce que vous ressentez de vos équipes? Je vous pose la même question qu'à M. Delubac. Je reprendrai l'expression « toujours prêt ». C'est-à-dire que on a des professionnels. Alors je voudrais souligner d'abord l'engagement de nos professionnels, médecins, soignants, infirmières, aides-soignants. Toutes les catégories professionnelles ont été admirables et je ne me lasse pas de le dire et de le redire. Deuxième point, c'est qu'on a fait en sorte aussi de renforcer nos équipes. Nous avons fait beaucoup de recrutements qui ont permis aussi de renforcer les équipes, parce que la prise en charge, Pascal le disait tout à l'heure, la prise en charge du Covid est une prise en charge un peu particulière qui justifie de mettre des équipements, etc., qui prend un temps un petit peu plus important, prise en charge de ces mêmes, même si on est plus habitué, même si effectivement les stratégies thérapeutiques ont été améliorées, ça reste un secteur dans lequel il faut être mobilisé. Alors en tout cas, équipé, protégé. Donc c'était un premier élément, donc on a fait beaucoup de recrutement. On a aussi, sur la première et la deuxième vague, eu la chance de pouvoir bénéficier des étudiants qui étaient en formation. On les a rapatriés sur l'hôpital et au détriment, pour une part, de leur formation. Donc je pense que ça, ce sont des éléments sur lesquels on a essayé aussi de garantir, d'une certaine manière, à nos équipes,
le fait toujours de maintenir une activité Covid, non Covid. J'insiste sur ce point parce que aujourd'hui, l'élément, il est sur de la lassitude. Les professionnels, quand on a amélioré, renforcé la déprogrammation ces 48 dernières heures, ils ont une lassitude parce qu'ils avaient un problème opératoire de prendre en charge des patients. Ils ont été réaffectés et ils y sont allés. Et quand il s'agit de se mobiliser, les soignants sont au rendez-vous. Alors évidemment, il y a une certaine lassitude, il y a une certaine frustration de ne pas pouvoir prendre en charge des patients, les patients qu'on a l'habitude de prendre en charge. Et je dirais un dernier point, c'est un point sur lequel qui nous interroge particulièrement en tant que CHU, où on a une mission d'enseignement, c'est aussi que tous nos internes particuliers puissent continuer d'avoir un spectre de formation sur l'ensemble des cas cliniques. C'est vrai qu'on voit dans certains secteurs, je pense notamment à la réanimation médicale de la Péronie, où ces jeunes internes sont formés uniquement sur le Covid et pas sur l'ensemble du spectre des activités qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc ça, c'est un point de vigilance extrêmement important que nous devons avoir. On a eu des points sanitaires et des points de vigilance que vous avez bien énoncés. J'aimerais poser une question à Patricia Mirales, plus sur le champ politique. Pascal de Lubac, tout à l'heure, faisait une allusion, il y a eu des ordres, des contre-ordres, et c'est vrai que ça évolue, la maladie évolue, les virus évoluent, les transports évoluent, mais c'est vrai que sur le champ politique, il y a eu des décisions gouvernementales qui parfois étaient le stop and go, ou le stop même arrière. Est-ce que vous avez parfois compris toute la logique gouvernementale ? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai compris, parce que je crois même que parfois eux-mêmes ne comprenaient pas, étant donné qu'il fallait s'adapter quasiment jour pour jour à ce virus qui modifiait les organisations. Et c'est vrai que vous avez des phases de test en disant ben, le stop and go, c'est bien. Puis finalement, on se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose. Là, je vois tout le monde dit il faut reconfiner, il faut reconfiner. Je ne suis pas sûre que le reconfinement se soit bien. Si on reconfine, c'est uniquement parce que les hôpitaux seraient sous tension. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui que ce soit nécessaire de reconfiner. Je crois qu'on peut faire confiance aux Français aujourd'hui. On peut être fier de ce qu'ils ont fait. On nous a enlevé beaucoup de liberté. Et pour autant, je trouve que les gens sont sérieux dans leur façon de faire. Alors bien sûr, il y en a qui ont besoin de vivre un peu, alors qui respectent un peu moins, qui vont manger à 10 au lieu de 6. Enfin bon, c'est la vie aussi. Mais je crois qu'on ne peut pas en vouloir directement au gouvernement. Je crois qu'on a un chef d'État aujourd'hui qui a pris des mesures, les mesures en disant non, on ne confinera pas. Et voilà, c'est compliqué, on s'adapte. Mais je crois que l'équilibre, on le regarde toujours à travers nos CHU. On ne peut pas mettre en danger le milieu hospitalier, parce que c'est eux qui nous permettront de pouvoir être soignés ou pas. Est-ce que vous avez des informations, justement, je sais que vous avez fait un aller-retour sur Paris récemment, que vous retournez à Paris, sur ce qui va se passer en termes de confinement, puisqu'on parle beaucoup de confinement ou de mini-confinement sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région PACA? Non, alors je suis pas dans les, je suis pas aussi près. M'avait vendu quelqu'un. Mais si qui vous était me proche... demandez mon avis, je vous dis que je suis pas favorable. Voilà, pas favorable au confinement. Non, je suis pas favorable parce que je crois que au-delà de cette problématique du virus, de cette gestion, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on regarde de près, c'est qu'il y a énormément de gens qui souffrent aujourd'hui et on aura un syndrome post-traumatique. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui souffrent aussi aujourd'hui de Covid long, mais ce sont les familles, ce sont les enfants, ce sont les personnes âgées, et je crois qu'un confinement ce ne serait pas le bienvenu. Voilà. Monsieur Ricordeau, les deux confinements que nous avons vécus sont arrivés comme un soulagement par rapport à des tensions hospitalières que vous sentiez croissantes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans le même état d'esprit où vous dites on a encore de la marge ? Alors c'est vrai que, et on en avait beaucoup discuté à l'époque avec l'ensemble des acteurs et avec les autres régions, c'est vrai que dans le cas des deux premières vagues, le confinement est arrivé à un moment où il fallait qu'il arrive, je le crois, et je le crois encore, parce que nous étions dans une telle évolution de l'épidémie et une telle pression que la situation devenait très difficile à tenir. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu différente, en particulier en région Occitanie,
hein, moi, c'est ce que je vois, dans lequel la situation reste encore à peu près maîtrisée. Vous savez qu'on est à peu près sur une moyenne hein, régionale. Une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on est autour de 160 de taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pendant 7 jours rapportés à 100 000 habitants. On rappelle les autres chiffres, c'est 400. 400 en Île-de-France. Mais néanmoins, on voit quand même que derrière cette moyenne, il y a des évolutions divergentes. Il y a des départements qui commencent à dériver fortement, par exemple le département du Gard, qui maintenant a atteint des taux relativement élevés, surtout à une forte dynamique. Et on voit, je le disais tout à l'heure, que la pression sur le système hospitalier n'est pas redescendue. C'est-à-dire que nous n'avons pas connu la sortie de la deuxième vague comme nous avions connu la sortie de la première vague. Et donc, cette question-là, elle est pertinente. Et c'est vrai qu'il faut éviter au maximum des mesures de confinement. Mais je comprends que lorsque la situation devient tellement pressante, la question peut se poser, et je pense qu'elle pourrait se poser effectivement en Île-de-France, mais je n'ai pas tous les éléments pour répondre. En tout cas, je pense que on n'est pas à ce point-là en Occitanie, et je pense qu'on peut encore. Et si vous me permettez, je voudrais sur ce sujet rebondir là-dessus, parce que je crois qu'on en a parlé sur la vaccination, on en a parlé sur les gestes barrières, parce que moi, ce que je crois dans cette épidémie, c'est qu'on a réappris ou réhabiliter, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on porte là dans la période, parce que c'est urgent, mais aussi dans les périodes à venir, c'est l'importance de la prévention. Parce que finalement, on n'a jamais autant parlé de prévention qu'avec le Covid. Se laver les mains, c'est un acte de prévention, etc. Se vacciner, c'est un acte de prévention. Et je crois que c'est le moment, et on sait que sur toutes les maladies, la prévention est sous-utilisée, elle n'est pas assez portée dans notre pays, et que c'est vraiment un des problèmes de notre système de santé. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on s'appuie sur l'expérience du Covid pour réhabiliter, j'utilise ce terme, de la prévention. Et j'espère que sur la vaccination aussi, ce sera un changement d'état d'esprit des Français, je le crois, par rapport à la période précédente dans laquelle l'aspect méfiance a dominé par rapport à l'aspect préventif. Et si on pouvait revenir, je dirais, à l'esprit de Pasteur, de ce point de vue-là, ça serait un gain. Et aujourd'hui, je dirais, en particulier dans notre région, c'est ce message de prévention qu'il faut absolument passer. C'est-à-dire que nous avons une situation qui est encore maîtrisée en région Occitanie. Faisons tout pour préserver cette maîtrise. Et donc, c'est le moment, plus que jamais, de respecter les gestes barrières, d'éviter les interactions sociales trop fréquentes. Et surtout, quand on a des doutes, de se tester, etc. On répète ce message, mais il fonctionne. Hein. Il fonctionne, on sait que ça fonctionne. Ça fonctionne très concrètement. Et c'est ça qui permet aussi de maîtriser. Et puis, j'espère que nous n'arriverons pas au moment où ça ne sera plus possible. Merci, Monsieur Ricordo. C'était très important de pouvoir le dire. Et puis, c'est justement une très bonne transition sur, Sophie, ce qu'on en appelle aussi le monde d'après, parce que cette prévention en fait partie. Je crois qu'il y a une question que l'on peut vous poser aussi, à vous toutes et tous, c'est de savoir comment on va s'inscrire, comment nous allons vivre ce monde d'après à 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, voir un petit peu comment on va s'appuyer sur ces gestes barrières. On l'a dit, plusieurs maladies sont à un niveau zéro durant l'hiver. On n'a pas constaté les maladies classiques type grippe, type gastro. Est-ce que dans le monde d'après, nous allons devoir vivre avec cette nébuleuse, avec le masque peut-être tout le temps? Une question générale, professeur Rein. On ne pourra pas imposer le masque au niveau où nous sommes actuellement, hein, mais je crois que un des points très positifs, s'il faut retenir les éléments pour le moyen terme, c'est effectivement cet aspect de prise de conscience des possibilités de prévention. La grippe, souvent les personnes ne perçoivent pas le risque. En plus, on avait une vaccination qui n'était pas aussi efficace, alors que là, on a des moyens efficaces et en même temps, on touche du doigt effectivement l'efficacité d'un certain nombre de mesures. Donc là, c'est l'aspect en fait positif. Je voudrais revenir juste un tout petit peu sur les éléments antérieurs. Je pense qu'il y a vraiment un distinguo, c'est un peu schématique, mais je pense qu'il y a vraiment deux choses très différentes. Il y a la problématique des personnes de plus de 50 ans, et en particulier des personnes avec des comorbidités, où il y a un risque pour elles de faire une maladie grave
et de saturer les hôpitaux. Et donc, vis-à-vis de cette population, on a toute une structuration de la vaccination avec Pfizer, Moderna, parce qu'il y a des impératifs de traitement de pharmaceutique, de température, etc. Et il faut absolument qu'on continue. Déjà, on a une bonne progression, mais il faut continuer. Et ça, c'est la protection à la fois des personnes en termes de maladie et en termes de, et en termes de, d'hospitalisation. Et après, il y a la deuxième partie qui est la vie sociale des personnes plus jeunes. Et à ce moment-là, c'est plus la question de la transmission et de l'effet vaccinal, de la transmission dans la population et des mesures générales. Mais là, on est dans une situation moins prégnante. Et la question du confinement, c'est ça un petit peu aussi. C'est-à-dire que ça a été évoqué, mais personne n'a voulu prendre le risque politique ou sociétal de dire, par rapport aux personnes qui sont à risque, il faut vraiment qu'elles se confinent et ne se retrouvent pas au supermarché, donc au moment le plus critique, donc où il y a un monde fou aux caisses, donc pour se mettre en danger. Donc je crois qu'il y a deux choses, il y a deux choses assez différentes. Patricia Mireles, je crois que sur le monde d'après, vous avez des choses à nous dire. Oui, je voudrais rebondir. Ça nous impose aussi à savoir vivre demain avec le virus. Personne ne sait si ce virus, finalement, on va en avoir encore pour un an, pour deux ans. Personne ne sait nous le dire. Toujours est-il qu'il va falloir qu'on innove et qu'on imagine le monde de demain. Le monde de demain, c'est aussi, on a vu le télétravail, ça a été une bonne chose sur cette période-là. Je ne dis pas qu'il faut que ça continue dans les mêmes circonstances, parce que aussi être à la maison tout le temps et se couper des liens avec ses collègues de travail, il faut qu'on s'adapte. Et effectivement, je me dis, quand vous êtes vulnérable, eh bien, il faut aussi avoir conscience que vous vous mettez en danger. Et donc, on peut très bien, comme vous le disiez, aller faire ses courses dans des moments, pas le samedi, par exemple, ou le samedi après-midi. On peut aussi voir le monde de demain sur le sport, sur le théâtre. Il faut que les gens reprennent vie. Il va falloir qu'on s'habitue à vivre. De toute façon, si ce n'est pas avec celui-là de virus, ça sera peut-être avec d'autres. Mais voilà. Donc, il y a l'innovation médicale, mais aussi technologique et professionnelle. Pascal Delubac, le monde de demain, vous le voyez inscrit... bravo pour ces gestes. Vous voyez, ça, c'est le monde d'après. On fait la prévention. Quand on a deux micros. Je partage tout à fait ce qui a été dit sur la prévention. Et d'ailleurs, c'est pas bien ce que je vais dire, mais le fait d'avoir limité les visites dans les établissements a permis d'avoir des règles d'hygiène beaucoup plus strictes, même si c'est dur des fois pour les patients, et a permis aux soignants de travailler plus sereinement et aux médecins. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème de... On a découvert peut-être tout simplement le problème du respect de l'autre, hein, et de son travail, c'est très basique. Ensuite, concernant l'évolution, ce que j'aimerais... Alors je vais rester très, très directeur de clinique, vous m'en excuserez, mais on a vu qu'il manquait une ressource qui était l'infirmière ou l'infirmier de réanimation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas un diplôme. C'est une compétence que l'on acquiert sur le terrain, puisque les diplômes aujourd'hui, c'est... Il y a l'infirmière donc diplômée d'État, il y a l'infirmière de bloc, anesthésiste, puéricultrice, puis ensuite il y a maintenant les infirmières en pratique avancée. Mais l'infirmière de réanimation, réglementairement, ça n'existe pas, et tant mieux que ça n'existe pas réglementairement. Ça veut dire que dans notre approche de demain de la prise en charge des patients, il va falloir peut-être raisonner en, c'est un peu mon dada, mais en bloc de compétences, en validation des acquis, et d'avoir des gens pour lesquels on remet au goût du jour régulièrement ces compétences si particulières, de façon à avoir cette élasticité qui permet de s'adapter à la crise. Et d'arrêter peut-être de toujours vouloir normer à tout crin avec des diplômes qui correspondent à des fonctions. Les diplômes, c'est très bien, on est tous d'accord là-dessus, c'est nécessaire, mais les compétences en amont ou en aval de ces diplômes, c'est important aussi à développer, à maintenir, parce que l'on voit aujourd'hui la grande difficulté que l'on a avoir des infirmières de réanimation, c'est la ressource première que l'on recherche. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir une évolution à ce niveau-là. François Bérard, CHU de Montpellier, je crois savoir qu'il y a 12 000 personnes qui travaillent au CHU, premier employeur probablement de l'Hérault.
comment vous voyez l'histoire d'après. J'imagine que vous avez eu des visions anticipatives sur ce qu'il se passera dans vos réorganisations, réaffectations. Alors, je pense que le premier message, effectivement, qu'il faut qu'on ait, et je réinsiste, c'est la question de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CHU, en tout cas, s'est réinventé sur les dimensions de prévention et les a remises en avant. Je pense notamment au travail assez remarquable qui a été fait autour de l'hygiène hospitalière. Alors, on a tous, dans tous nos hôpitaux, des équipes opérationnelles d'hygiène que généralement on ne voit pas très souvent parce qu'il faut un travail de terrain extrêmement fort. Et là, on les a mis un tout petit peu, nous, en éclair, un peu sur le devant de la scène. Et ça, je pense que ce sont des gens qui ont permis de renouveler aussi le message sur ces messages de prévention. Et donc, je voudrais les saluer, mais aussi de dire qu'ils ont fait un travail en dehors de l'hôpital. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans les EHPAD en particulier, il y a eu un travail extrêmement important des équipes territoriales en matière d'hygiène dans les EHPAD. On a constaté, et c'est aussi une des leçons de cette crise, et donc essayons de dresser des perspectives pour demain, que la structuration des parcours des personnes âgées, en tout cas la prise en charge des personnes âgées dans ces structures-là, aujourd'hui nécessite une professionnalisation, en tout cas un renforcement, assurément, de la formation des soignants. On est dans le lieu de vie d'une personne âgée. Mais sur ce point-là, il y a quelque chose pour accompagner. Et on a vu aujourd'hui l'importance du rôle qui a été conduit dans les EHPAD. La deuxième perspective, c'est qu'il faut constater que, en tout cas, on le voit depuis le début de l'année, le développement d'ambulatoire, il est au rendez-vous. Alors, c'était un objectif. Jusque-là, on utilisait le terme performance. C'était une contrainte. C'est en train de devenir, pour un certain nombre de médecins, d'équipes médicales soignantes, sans doute une opportunité, parce que le regard des patients qui n'ont pas forcément envie de rester très longtemps à l'hôpital, compte tenu de l'environnement dans lequel on est, il y a un développement de l'ambulatoire et de développement de cette dimension-là. Il y a un développement aussi de l'hospitalisation à domicile, indéniablement, pour réduire les durées de séjour. Ces messages-là qui étaient dans le monde d'avant, des sujets un peu d'une contrainte, d'essayer de réduire les durées de séjour, etc., sont en train de devenir de vraies opportunités saisies par les équipes médico-soignantes. Dernière perspective, elle sans doute, c'est autour de la télé, du télésoin, de la télémédecine, évidemment, où on voit bien qu'il y a eu des stratégies thérapeutiques de suivi de patients bien renforcées, que ce soit en amont ou en aval, avec des dispositifs de suivi à domicile. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne remplacera pas le lien physique et le rendez-vous entre le médecin et son patient, mais ça permet d'améliorer sans doute un suivi. Et puis un dernier élément qu'on a vu aussi émettre, c'est le développement du télétravail. Alors, ça paraît surprenant dans une organisation hospitalière, évidemment que les infirmières ne sont pas ou les docteurs qui ne sont pas en télétravail. En revanche, on a quand même des équipes administratives qui aujourd'hui ont développé et on développe de nouveaux modes de raisonnement, de modes de travail en équipe. Et ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels je pense qu'on pourra demain essayer de surfer. Merci à nos intervenants. Ce n'est pas terminé, mais nous avons le temps passe vite avec vous. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Nous avons des questions de la salle et questions d'internautes. Donc nous allons passer à quelques questions, si vous le voulez bien. Vous pouvez vous lever, décliner votre identité. Et nous avons Christine Ginel qui, je pense, va passer un micro. Devant nous avec un micro où c'est mon micro. Alors on va le nettoyer. Merci. Voilà. Merci. Vous vous levez bien. Et puis monsieur, vous déclinez votre identité. Voilà. Et je vous le laisse. Merci bien. Donc Hervé Fleury, je suis professeur émérite de virologie à l'Université de Bordeaux et au CNRS. J'ai une caractéristique unique. J'ai fait ma thèse de science à New York en 1978 sur les coronavirus. Donc je les connais depuis très longtemps, mais j'imaginais jamais qu'ils entraîneraient une pandémie pareille. Et je dois dire que je serai beaucoup plus prudent dans mes manipulations maintenant, avec la connaissance qu'on a maintenant du virus. Alors j'ai une question pour Monsieur Rennes, une question très technique. Donc on a des vaccins efficaces. On en a deux superbes qui sont Pfizer et Moderna, dont on avait déjà des idées qu'ils allaient sortir au milieu de l'année 2020. Il y avait des publications qui laissaient entendre que ces deux sociétés étaient en avance sur le plan technologique. Donc on va avoir le vaccin pour maîtriser l'infection et c'est sûrement
l'option la plus efficace, à condition d'arriver à avoir suffisamment de débit pour vacciner une population. La question que je me pose, et qui n'est pas résolue, et qui ne se pose apparemment plus, alors qu'on a discuté en France pendant un an de l'hydroxychloroquine, et que j'adresse maintenant cette question à M. Rennes, c'est quels sont les espoirs, sous peu ou à moyen terme, d'émergence d'une molécule antivirale? Parce que finalement, on a progressé dans la prise en charge des complications de la réanimation des patients, mais on n'a pas une molécule antivirale. On a des molécules antivirales pour traiter le HIV parfaitement, mais on n'a pas une molécule antivirale indiscutable actuellement pour traiter le Covid. Et donc, comment M. Rennes voit l'avenir immédiat dans ce domaine? Alors, il y a plusieurs choses. La première, concernant le virus lui-même, actuellement, à côté des molécules classiques antivirales, qui malheureusement n'ont pas donné les résultats qu'on attendait, alors qu'in vitro, en laboratoire, a priori, il y avait une efficacité. Donc il y a la question de la précocité du traitement. Enfin, mais il y a d'autres éléments amenés par les anticorps monoclonaux, donc les anticorps neutralisants, qui eux amènent a priori quelque chose de positif, sous réserve d'être administrés dans des conditions particulières. Mais ces anticorps monoclonaux concerneront essentiellement des populations qui ont des problèmes majeurs, justement, de réponse immunitaire. Donc ça va, on va aller vraisemblablement, compte tenu de la mise en place de quelque chose qui est parentéral, donc injectable, les difficultés, sur une cible thérapeutique, donc sur des populations particulières. Et après, il y a tout le volet qui est le volet physiopathologique inflammatoire, où là aussi, il y a des avancées. Là aussi, il y a eu beaucoup de choses annoncées qui n'ont pas été confirmées. Mais là aussi, il y a des possibilités logiques, donc avec des rationnels, d'amélioration à ce niveau-là, et avec la nécessité d'avoir des biomarqueurs, un suivi qui permet de mettre en place ces traitements. On a vu quand même le bénéfice de la corticothérapie, c'était quelque chose d'impressionnant, d'avoir une réduction de 30% de la mortalité, donc documentée sur des populations quand même assez larges et graves. Donc manifestement, il y a plusieurs aspects thérapeutiques. Moi, je suis assez confiant quand même, alors ça ne va pas être en deux semaines, hein. Mais je crois qu'il y a eu une mise en route de thérapeutique. Et puis, ce qu'il faut voir, l'élément positif, c'est que même dans d'autres domaines, qui sont des domaines d'autres maladies infectieuses, y compris le VIH, là, il y a quelques jours, il y a eu la réunion de la CROI, où il y a eu la présentation par le NIH, des premiers résultats avec la technique de type Moderna, donc avec la première démonstration, en fait, chez le macaque, d'une efficacité vaccinale pour le VIH. Donc, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à auparavant, en fait, hein. Et puis, même sur des thérapeutiques de type anticancéreuse. Donc, il y a manifestement un bénéfice secondaire, malheureusement, de cette épidémie, mais qui amène beaucoup d'éléments positifs thérapeutiques. Donc, pour nous, je veux dire, c'est tout un champ exploratoire majeur et, à mon avis, assez favorable. Une deuxième question dans la salle. Ludwig Cachou, je suis responsable scientifique et technique dans la société Ventum Biotech, fabricant de produits biocides à Montpellier, à base d'acide peracétique. C'est un biocide très puissant. Ma question, c'est moi aussi, comme vous, j'ai eu le Covid, le virus. Bon, j'ai été diagnostiqué aux États-Unis pendant une visite. Dès que j'ai mis les pieds, deux jours après, j'ai eu le Covid. Donc, je suis plutôt comptabilisé dans les statistiques américaines, pas françaises, comme Covidé. Ma question, c'est concernant les tests sérologiques. Vu que la vaccination, après avoir eu des anticorps suite à une contamination au Covid, on ne connaît pas trop la charge virale. Est-ce que vous préconisez ou vous conseillez de faire des tests, ou quelles sont les avancées là-dessus, sur la charge virale, sur un test sérologique, à partir de quel moment on peut se faire vacciner après avoir eu le Covid? Oui, alors très, très, très bonne question. Alors effectivement, on dispose maintenant,
de tests quand même sérologiques, donc vis-à-vis en particulier de cette fameuse spike, donc anti-S, qui permet d'avoir une idée de la réponse, tant de la réponse naturelle quand vous avez une infection, mais aussi après une vaccination. Et donc là, on voit très bien que, en particulier les personnes qui ont eu donc l'infection et qui font une vaccination, donc une seule injection, et ça a été fait sur Montpellier, au niveau en particulier des EHPAD, justement il y a un travail fait donc, par nos collègues gériatres et viro-immunologistes, qui montre qu'il y a une réponse fantastique lors de l'injection donc, vaccinale qui a été faite avec des personnes qui avaient été souvent infectées au début de l'épidémie. Alors effectivement, il va falloir optimiser les choses pour savoir. Et moi, je suis concerné aussi parce que je l'ai eu. Et donc, je vais aussi avoir nécessité d'être vacciné. Et donc, je suis les choses de très près au-delà de l'élément commun. Et donc, là, il va y avoir aussi, ça, c'est les bénéfices de la biologie quand même, d'avoir des idées sur qu'est-ce qu'il va falloir appliquer. D'autant que... On l'a vu, il y a quand même une problématique sur certains variants où la réponse donc, immunitaire ou vaccinale est moins bonne. Et donc là aussi, ça va poser des questions d'adaptation. Hein. Donc là, je crois que vraiment, on est rentré dans une période donc assez riche en termes de stratégie à développer. Donc il nous reste du temps pour encore deux questions, mais brèves dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Hugues Desfour, je suis médecin au terme de Balaruc, les Bains, et je voulais faire une petite remarque et une petite question rapide. Une remarque, c'est sur le monde du thermalisme qui a été frappé comme les autres, de façon assez douloureuse. Il y a eu des conséquences économiques dans les stations qui sont nombreuses dans notre région. La région L'Occitanie est quand même la première région thermale française. Mais surtout, moi en tant que médecin, je vois les conséquences vis-à-vis des patients, vis-à-vis des curistes. Beaucoup d'intervenants ont parlé des non-Covid qui ont été oubliés pendant cette année ou mis de côté. Eh bien, les curistes qui soignent les maladies chroniques et qui souvent comptent beaucoup sur ces cures thermales dans toutes les orientations n'ont pas pu bénéficier de ces soins et attendent avec impatience la réouverture des thermes, parce qu'il faut savoir que les établissements thermaux sont les seules structures médicales de soins qui ont été fermées. Et donc, on attend avec impatience, évidemment, leur réouverture. Et puis, la deuxième remarque rapide, c'est par rapport aux propos de Madame la députée sur le Covid long. Les établissements thermaux sont actuellement dans une réflexion sur la prise en charge de ces Covid longs. Nous avons des structures qui sont adaptées. Nous avons l'expérience de protocoles sanitaires, de protocoles médicaux qui accompagnent les cures thermales. Et les patients qui ont ces pathologies assez mystérieuses qui sont regroupés dans le Covid long, dans les syndromes post-Covid, pourraient très bien rentrer dans le cadre des cures thermales avec des protocoles bien déterminés que nous sommes en train de mettre en place et négocier auprès de la prise en charge Sécu dans le cadre d'une prise en charge voilà, de la collectivité. Oui, en complément de ce que vous venez de dire, je pense qu'on n'y a peut-être pas suffisamment insisté. Et là, je parle peut-être aussi en tant qu'universitaire et qu'enseignant. On a parlé de la formation. Je pense qu'il faut vraiment être attentif par rapport aux professionnels de santé libéraux, les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières, parce que actuellement, on est dans un monde, donc avec Internet, où tout le monde croit connaître tout. Et qui a une nécessité à la fois de recherche, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas éclaircies, et en même temps de nouvelles pratiques et de nouvelles prises en charge. Et donc c'est vraiment important qu'il y ait une implication, et on le sait très bien pour la vaccination, en particulier pour la vaccination des personnes de moins de 50 ans, on va nécessairement, c'est un impératif absolu, qu'il y ait une implication des médecins généralistes, des pharmaciens, pour assurer le niveau de vaccination. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des éléments de formation, un peu tant en termes de formation initiale qu'en formation continue, pour cette prise en charge, et qui se différencie de l'information de la population générale. Madame Miralles, vous souhaiteriez, vous, qu'il y ait un dispositif, comme évoque monsieur, de prise en charge particulière pour les Covid longs Oui, je voudrais revenir sur ce terme Covid long, hein, puisque...
Comme vous l'avez dit en introduction, j'ai fait voter donc à l'unanimité à l'Assemblée nationale une proposition de résolution. Et donc dans cette proposition de résolution, il y avait cette reconnaissance aujourd'hui, si on peut dire, d'une nouvelle maladie que l'on appellerait Covid long. On a besoin, on se rend compte, moi je continue à travailler, j'ai cette possibilité de pouvoir continuer à travailler. Pour autant, je souffre, j'ai le corps qui brûle en permanence. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer et pour cause. On n'a pas encore les marqueurs, on ne sait pas comment on va pouvoir régler. On peut aller jusqu'à 56 symptômes. On a aussi besoin d'une prise en charge aujourd'hui, d'un parcours qui soit établi. Alors il y a des fiches qui ont été faites par la Haute Autorité de Santé qui est donnée aux médecins, mais quoique tous les médecins ne les ont pas encore. Et donc on est dans une errance aujourd'hui de Covid long. On a été dans une errance Covid. Aujourd'hui on est dans une errance Covid long et on a mis du temps à en parler parce que on avait de la pudeur parce qu'on est toujours dans la deuxième vague. Et que c'était difficile de venir se plaindre alors même que nos soignants se battaient pour maintenir des personnes en vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en préoccuper et ça fait partie, je pense, d'un travail qu'on va mener avec l'ARS, puisque l'ARS tend la main aussi pour qu'on réfléchisse à un parcours et à pouvoir s'occuper pour les personnes qui souffrent d'un Covid long, mais aussi pour les personnes qui, elles, ne souffrent pas d'un Covid long, mais du fait que la Covid dure. Et je veux parler aussi du personnel soignant. Une question très brève dans la salle. Deux questions très, très brèves. Juste rapidement, je voudrais quand même remercier, puisque je vois que vous avez accepté de porter ce ruban, qui est le ruban Vaincre le Covid long, qui est une association qui s'appelle Trouver les mots, MAUX. Et voilà, donc c'est quelque chose aussi qui s'est mis en place hier à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour, je suis Agnès Morin, donc je suis fondatrice de la Ligue nationale contre l'obésité. Donc je porte la voix aujourd'hui des patients qui souffrent d'obésité. Nous sommes rentrés de plein pied dans cette crise sanitaire avec ce virus qui est arrivé par notre modification de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous le savons tous, les zoonoses, les virus arrivent. Ce n'est peut-être pas le dernier. Et nous savons aujourd'hui donc, que le lien entre environnement et santé est tout à fait visible. Et il est visible pour les patients que je représente, puisque nous sommes très nombreux en service de réanimation, 1 sur 2. Nous sommes très nombreux à décéder à l'hôpital. Près de 40 à 50% décèdent du Covid sont à l'hôpital, sont des personnes qui souffrent d'obésité. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, nous remercions tous les patients, tous les soignants. Ils ont fait un gros travail. Il est important de faire de la prévention, comme vous le dites, secondaire et tertiaire, nous sommes en crise, donc faire de la prévention, une fois que la crise est là, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble maintenant sur la prévention primaire, éviter que ça arrive. Je donne un seul exemple, c'est que les patients souffrant d'obésité aujourd'hui qui se retrouvent en réanimation n'ont pas les équipements adaptés. Eux souffrent de ce non-équipement, mais les soignants aussi nous disent qu'ils ont des difficultés à la manipulation parce qu'ils n'ont pas appris cette manipulation. Donc travaillons ensemble sur la prévention primaire, essayons de faire en sorte que si ça arrive à nouveau, on ait des masques, on ait des vaccins peut-être en plus grand nombre. Et je pense que tout ça, c'est possible si on le prévoit. Alors il y aura toujours des crises, il y aura toujours effectivement des situations de crise. Mais je pense que ce qui a manqué, c'est surtout l'amont et la prévention en amont. C'était plutôt une réflexion qu'une question. Peut-être pour finir, Laurent Ramon, directeur général de COP Santé. Brièvement. On ne peut pas toucher le micro. Bon. Oui, merci Agnès pour tes mots, parce que le combat que tu mènes, il est très fort. Et je souligne que tu étais jusqu'à aller toucher la première dame, hein, Brigitte Macron, pour la cause. Et c'est important. Oui, Laurent Ramon, Fédération de l'hospitalisation privée, Cap Santé. Je crois qu'on est un peu pressé. On est un petit peu pressé. Un constat et une question pour l'ensemble des personnes qui sont sur la tribune aujourd'hui. 4 mars 2020, on était déjà ici. On était déjà ici. Professeur Rennes était là. Thomas Ludek également. Je pense que toi, François, peut-être. Voilà. Et c'était un lab santé spécial, comprendre le coronavirus. La différence, c'est qu'on n'avait pas les masques. Et on essayait de comprendre. Et déjà, professeur Rennes nous expliquait comment ça allait fonctionner et nous prévoyait l'histoire d'après. On apprend tous de nos erreurs. Et c'est vrai que quand on voit
l'équipe que tu as rassemblée, Yann, aujourd'hui, et Sophie. Patricia, par tes actions, tu prônais des actions rapides. Tu as eu le virus, tu ne t'en caches pas. Et aujourd'hui, tu rebondis dessus pour que ça serve à d'autres. Toute ta simplicité, elle est là. Et on voit quand tu prends la petite lingette et que tu la tends, que tu aimes faire avancer les choses par toi-même également. Voilà. Pascal, tu nous as coordonnés pendant un an par tes actions à la Fédération de l'hospitalisation privée d'Occitanie. Tu nous fédères, tu nous rassembles chaque semaine et on parle d'une même voix derrière toi. Si on a réussi à se rassembler, c'est infiniment grâce à toi. C'est important de le souligner parce qu'il est modeste, il le dit pas assez. François, tous ces dimanches passés ensemble sur les vaccins, sur les masques, sur les transferts, au téléphone, j'entends. C'est le bras, je dirais, armé, le bras d'action de Thomas Leudec. Et c'est vrai qu'on doit reconnaître également ses actions au quotidien. Pierre Ricordo, une équipe de choc. L'équipe de choc qui nous appelle le samedi soir, nous, les acteurs de la santé, parce qu'il y a des doses de vaccins supplémentaires et on veut absolument les passer lundi, parce qu'il y a des transferts à prendre de PACA et d'ailleurs, et ils veulent savoir si on va pouvoir prendre en charge, parce que tout simplement, on essaye de s'organiser localement sous l'égide du CHUS, sous l'égide de l'ARS. C'est absolument incroyable ce que ces acteurs font pour nous et ce qu'ils font pour la population. Je voulais vraiment le souligner. C'est un constat. La question, c'est, on apprend de nos erreurs. Si c'était à refaire, on ne veut surtout pas que ça se refasse, mais si c'était à refaire, est-ce que chacun, vous auriez une action à faire immédiatement pour que ça se passe mieux ou que ça se passe encore mieux? Merci. En un mot, avant la conclusion. Sur un fait qu'on n'a pas fait, ou qu'on fait plus rapidement. Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? C'est vrai que c'est très facile de parler maintenant, mais qu'est-ce qui finalement, aujourd'hui, vous trouverez dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez engagé immédiatement, si vous aviez eu le pouvoir de le faire, bien évidemment. Ah, c'est vaste. C'est vaste parce qu'effectivement, j'imagine qu'il y a tellement d'images qui arrivent dans vos têtes, il y a tellement de choses. Pascal Delubac, ça y est. Je me jette, pas de regret. De pas être... On a été, et on essaye toujours d'être efficace en fonction de beaucoup de choses qu'on ne comprend pas toujours ou qu'on est en train de découvrir. Donc, même chose. On recommence, on se serre les coudes et pour le moment, on redémarre. J'ai pas de regret. En tout cas, il y a eu une belle image de fédération de moyens, fédération d'initiative, fédération illustrée par le propos de Laurent Ramon. Et ça, c'est effectivement... C'est la réalité de terrain, la réalité qui est dite et racontée ici et ailleurs. Et on le voit, l'Occitanie est une terre rassembleuse et ça fait plaisir en matière de santé. On en arrive à la conclusion, Sophie. Ça a été un plaisir d'accueillir ces personnalités qui ont répondu à des questions. Si vous aviez en 30 secondes une conclusion à nous faire, certainement peut-être une prospective, votre conclusion à chacune et à chacun. En quelques secondes, on commence par peut-être Madame la députée. Je crois que vous êtes très timée et que vous avez un moyen de transport qui va vous transporter. Qui ne m'attendra pas. Qui vous attendra pas. Donc je crois qu'on est obligé de passer par vous, de commencer par vous. Madame la députée. Alors peut-être un message à faire passer à tous les Français, dire gardez confiance. Et on a beaucoup parlé de prévention. Continuez, les gestes barrières, c'est essentiel. Pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, pour les étudiants, pour les personnes qui travaillent et même celles qui sortent peu. Voilà, la prévention, c'est essentiel et peut-être continuer à communiquer. Il faudrait être peut-être un peu plus sévère sur le couvre-feu et pouvoir continuer à lâcher sur des libertés. Jacques Reine, vous avez le micro, vous êtes prêt à parler. Oui, alors, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et ça évolue. Et donc, il faut encore faire un effort d'adaptation de tout le monde, Hein. Donc, c'est ça le problème. Et ne pas oublier ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, on peut toujours imaginer, réfléchir, etc. On a été, dans certains cas, limité par certains moyens, hein, donc il faut le dire. Mais je crois que ça, c'est du passé.
Et le futur, il y a des choses qui ont été positives pour réfléchir, on a évoqué la question de la prévention, mais je pense surtout qu'il faut essayer d'en tirer les leçons et d'être toujours actif, mais c'est un défi et je crois que c'est un défi positif. Monsieur Bérard. Vendredi dernier, on a annoncé la déprogrammation de 30% de notre activité. Donc on est toujours dedans. Donc le sujet, on est toujours dedans, pas qu'au CHU, on est toujours dedans dans une approche territoriale. Et je crois que ce qui a fait la particularité de notre territoire, c'est un vrai travail de coordination extrêmement fort autour des soins critiques, de la médecine, des filières qu'on a réussi à mettre en place. Tenons ça, tenons cette organisation, et c'est comme ça à mon sens, parce que c'est ce qui a très bien fonctionné sur la première vague, la deuxième vague, faisons en sorte de garder cette solidarité entre nous, c'est ça qui amènera la confiance de l'ensemble des acteurs. Mais ça reste l'hôpital qui est le dernier rempart. Il n'a jamais cédé, j'espère qu'il ne cédera pas, mais c'est important qu'on ait en tête, donc moi je m'associe évidemment à la question des gestes de prévention, des gestes de barrière, ça reste encore aujourd'hui, et évidemment la vaccination, ça reste nos meilleures mesures de prévention de cette maladie. Pascal Delubac. Oui, ben je ne peux que rejoindre ce qui a été dit. Il faut faire preuve d'humilité face au virus. Il faut faire preuve d'analyse de ce que l'on a vécu pour améliorer les choses. Et puis, effectivement, il faut être optimiste parce que la nation et la profession, les professionnels de santé, ont démontré que, même au plus fort de la tempête, ils étaient présents. Et ça, c'est rassurant. Donc, Monsieur Ricordeau, le mot de la fin. Oui, non, moi, je dirais, alors ça me permettra de rebondir, effectivement, quelles mesures j'aurais pu faire différemment, je crois que vraiment c'est la question de la méthode. Et la méthode, alors on a probablement fait plein d'erreurs dans les décisions, donc si on les prenait, bah, j'aurais dû faire ceci, cela. Mais je crois que la méthode qu'on a choisie, c'est véritablement la méthode de faire travailler les acteurs ensemble. Et ça, je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que c'est la bonne méthode et c'est eux qui ont inventé les solutions. Et du coup, pour l'avenir, c'est vrai qu'on n'en est pas sorti, donc ça, il faut vraiment le garder en tête, et on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, donc il ne faut surtout pas baisser la garde dans le moment, mais on espère quand même qu'on va en sortir et qu'il va y avoir des améliorations, et on commence à le voir, par exemple, dans les EHPAD, on peut un peu assouplir grâce à la vaccination. Et donc le sujet maintenant, c'est ensuite de penser à la sortie, quand elle arrivera, et ne pas perdre ce qu'on a appris. Moi, je dirais, il y a vraiment prévention et territoire. La prévention, on en a parlé, ça doit être le fondement de la politique de santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut bâtir sur ce qu'on a construit? Et puis, le territoire, ça veut dire le décloisonnement, ça veut dire que ce qui compte, c'est la population d'un territoire, c'est les parcours de santé sur un territoire, et c'est donc le travail en commun des acteurs de santé, public, privé, ville, hôpital, médico-social, et ça... Ça veut dire que c'est vraiment ce qui a marqué cette période, et il ne faut vraiment pas qu'on le perde. On a par ailleurs de l'investissement dans la santé, et il faut que cet investissement dans la santé il serve à cette transformation de la santé sur le territoire, autour du patient. Pierre Cordeau, merci. Merci à tous. Merci Pascal Delubac, François Bérard, merci. Professeur Rennes, merci. Patricia Mirales, merci aussi, je sais que votre temps était précieux. Ça a été un plaisir d'animer en compagnie de Sophie Guiraud ce Lab Santé. Ce Lab Santé, c'est aussi 13 partenaires que nous saluons, que vous retrouverez demain à travers une page sous la plume de Sophie Guiraud. En tout cas, protégez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures très positives.